Le président ivoirien Alassane Ouattara réagit après la mort de son ami et frère Charles Konan Bani, ce vendredi 10 septembre 2021. La Côte d'Ivoire a encore perdu l'une de ses figures emblématiques. L'ancien premier ministre ivoirien, 2005 à 2007, Charles Konan Bani est décédé, ce vendredi 10 septembre 2021 à Paris, en France où il avait été évacué en raison de la Covid-19, selon plusieurs sources. Informés de cette triste nouvelle, les autorités ivoiriennes n'ont pas manqué de montrer leur tristesse après le décès de cet homme politique, qui aura consacré une majeure partie de sa vie à la Côte d'Ivoire. Dans la soirée du vendredi, soit quelques heures après sa mort, le président ivoirien Alassane Ouattara a tenu à rendre un vibrant hommage à son ami et frère sur sa page officielle Facebook. « J'ai appris avec tristesse le décès de mon ami et frère Charles Konan Bani, ancien Premier ministre, ancien président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, et ancien gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Je rends hommage à un grand serviteur de l'État, une personnalité politique de premier plan, dont la contribution à la réconciliation nationale a été importante. » Je présente mes condoléances les plus attristées à son épouse, à ses enfants, à sa famille, ainsi qu'à tous ses proches, écrit le président ivoirien sur sa page Facebook. Visiblement touché par cette nouvelle, Alassane Ouattara rend un vibrant hommage à l'illustre homme que la mort vient d'arracher aux épaules.